T'as pas honte? Arrête, t'as pas honte, c'est une fille! Mais c'est une fille! T'as pas honte, frère, réveille-toi! Réveille-toi! Je vais la boxer! Ouais, t'inquiète pas! Je vais la monter en l'air! Mais c'est pas à moi, faut faire ça, c'est à elle! On va la retrouver, Omar, t'inquiète pas! On va la faire, on va la retrouver! Madame la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'est produit un drame. T'as pas honte? Mais tu sais ce qui s'est passé, toi, avant de parler? T'as pas honte? Est-ce que tu. Il sait même pas ce qui s'est passé, il parle! En fait, aujourd'hui, on est mercredi après-midi. C'est les inscriptions pour l'AS. Il y avait plusieurs sports. Et moi, je me suis inscrit à la danse. Sauf qu'il y avait que 10 places. Il restait moi et une fille. Et elle s'est énervée à la fin, elle m'a attrapé, elle m'a mis des pattes. Mais hein. Qui a tapé ça? Moi, je sais pas ce que tu peux faire. Tu viens de te faire humilier par une femme. Demande à Younes. Non, 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 non. Si. Pas Younes, non. Si, tu vas assumer. Tu vas assumer, sois un homme, hein. Ça va, Michael, ou quoi? Omar, c'est comment? Toi, tu crois on est en. Ouais, je parle à lui, tu crois on est en vacances ou quoi? Vas-y, laisse tomber ça. Faites quoi ici là? On va aller mieux vous voir. Non. Cousin, ça fait plaisir. Elle est belle, elle est douce. Yassine, il est où Yassine? Yassine, je sais pas, il est en bas, je crois. Elle est belle. Assieds-toi, prends un truc avec ton chapeau là. Waouh. Eh oui, il se prend pour le fil. Eh, je vais recevoir un vélo la semaine prochaine. T'es pas dit, hein. Mais après, on va s'affronter, on va gagner. Un vélo électrique. Après, on va s'affronter, Hassol. Toute la famille, celui qui gagne. Et ensuite, tu vas dire on va gagner. Mais c'est qu'une personne qui gagne. Pourquoi il fait la tête comme ça? Je me suis battu à l'école. Bah dis-lui maintenant, Smahli. Je me suis battu à l'école. Je sais pas, je me suis battu, ça arrive. Tu t'es battu avec qui? Je sais pas, en mode on est à. Attends, tu t'es battu ou tu t'es fait mêler? Mais non, on s'est battu. Mais y'a rien, on s'est juste battu. C'est quoi ça, Omar? Ouais, je suis battu. On s'est battu. Y'a rien. Mais comment ça, on s'est battu? En plus, tu rigoles. T'es bête ou quoi? Rigole pas. Il est arrivé quoi? À quel moment je rigole? Ah si, enlève ça, frère. Il t'est arrivé quoi? De qui t'as fait ça? Je peux pas te conseiller sur ça. J'essaie de le conseiller, mais j'arrive pas à trouver les mots. Quoi? C'est ça le problème. En fait, je t'explique. Raconte l'histoire, vas-y, raconte là. Je suis parti pour m'inscrire aux activités, il restait que. Dis quelle activité. La danse. Il va plus s'inscrire à de la danse. Pourquoi tu veux faire de la danse? Bah, parce que c'est gros coefficient pour le bail. Et il restait une seule place, je suis parti. Comme je faisais mieux sur le planche que la meuf, elle m'a frappé, voilà. Une meuf, elle t'a fait ça? Oui. Une femme? Et le problème, c'est ça. Avec des cheveux. Mais oui, mais je me dis, mais imagine s'il va se manger ou un truc comme ça. Wesh. C'est la honte s'il se refait mêler. T'es sale à tes mains, ton maillot. Une meuf, ouais, elle l'a attrapé comme ça par le callback. Elle est arrivée, elle a mis une teutard, coup de tête et elle a réveillé ça. Ouais, on va même rembourser le t-shirt. Yassine! Wesh, c'est ça, non là, Yassine! Moi, je veux pas aller le dire à Yassine, c'est mort, on l'a déjà dit. T'avais dit, ça y est, Younes, il va le dire. Ça y est, t'es obligé, frérot, assume un peu. Tu te fais mêler par une femme. Et alors, ça arrive à tout le monde. Arrête de dire, t'es alors. Tu te fais mêler par une femme, tu fais le malin ici, là. Vas-y, va assumer maintenant. Vas-y, arrête. Omar, t'as pas vu son œil. Il s'est battu à l'école. C'est quoi la meilleure? Ouais. C'est une femme qui lui a fait ça. Pourquoi tu rigoles? T'es bête ou quoi? C'est une femme, elle lui a fait ça, frère. C'est vraiment une femme. C'est une femme, elle lui a fait ça. On frappe pas les femmes. Comment ça, on frappe pas les femmes? On les frappe pas. Elle te frappe, défends-toi. Mais je vais pas frapper une femme. Omar, oui, je t'ai fait frapper par une femme. Mais on frappe pas les femmes. Et t'as mis dans cet état-là? Oui, elle m'a mis dans cet état-là. Regarde, son maillot, t'es son maillot. Et tu fais rien, tu restes comme ça, tu fais rien. Bah, il faut te défendre, il faut te défendre. Défends-toi. On peut pas me défendre. On frappe pas les femmes, mais on se défend, que ce soit une femme ou un homme. Mais non, que ce soit une femme ou un homme, mais pas une femme. Tu sais, c'est quoi son problème? Il a pas été assez dressé, faut lui montrer c'est quoi les raisons. Non, c'est bon, viens, à bord, vas-y, débrouillez-vous, moi j'en ai marre, l'autre jour il va là, il sonne là-bas. Il se fait courser, lui se fait taper par une femme. Eh, c'est quoi cette famille de fourre là? Je vais rester là, moi. Des cartons dans mon lit. Comment ça se fait que tu t'es fait taper par une femme? Tu sais pas te battre? Mais je vais pas frapper une femme. Mais tu sais pas te battre? Si, je sais me battre. Si. Je vais t'entraîner comme ça. Femme, pas femme, homme, pas homme. Tu sauras te défendre, c'est bon? Accroche-toi au truc de tracteur, s'il te plaît. Accroche-toi parce que si c'est moi qui t'accroche, tu vas c'est pas le cocard que t'auras. Accroche-toi, gagne tes abdos, c'est bon? Tu gagnes? Arrête Yassine, arrête. Omar, raccroche-toi, je vais pas rigoler avec toi. Et tu t'entends crier encore une fois, c'est pas ton vote que je t'éclate, c'est ta tête, c'est bon? Il arrive pas à résister à ça alors que je suis à 5% des coups. Mais c'est normal qu'il se fait taper par tout le monde. Il est pas de notre famille celui-là, c'est pas possible. Omar, viens voir. Viens voir. T'as vu, dans notre famille, on n'est pas des victimes, c'est pas possible. Là, t'es super faible. Dans une échelle de 1 à 10, dans la faiblesse, t'es à 10. Donc là, je vais te donner quelque chose, je te donne ça. C'est des points américains. Si quelqu'un vient t'embêter, tu frappes avec ça, ça décuple ta puissance fois 10, d'accord? T'as peur? Qui est là? Elle est où? Moi, je veux pas faire ça, moi, je veux pas. Y'a personne. Non, il y avait du vent. Tiens, prends ça, tu prends ça en vis dans le point américain. Et si quelqu'un t'embête avec ça, normalement, tu vas lui casser sa bouche, c'est bon? Comment? Je fais comme ça. Tiens, point américain, tac.
Omar, hey, Omar, je rigole pas avec toi. Mais quoi? Omar, je rigole pas avec toi, je vais te casser ta bouche. C'est bon, c'est bon. Droite, gauche. Mais quoi là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Hey, je vais frapper ton petit frère. Mais tu fais quoi? Je l'entraîne parce que regarde son œil. Tu vois pas son œil? Mais tu vois pas? Y'a pas de violence, on est pas des mecs violents dans notre famille. Pourquoi tu fais semblant? On se fait hagar. On se fait hagar. Bah alors, t'es haram, tu vas pas aller frapper quelqu'un? Bah il faut se défendre, on se défend. Tu vas voir la police, tu vas y avoir des trucs pour se défendre. Ah ouais, la police. Ouais. Et il reste comme ça avec son œil. Mais c'est pas bien, c'est haram. Tu vas pas frapper les gens. On a le droit de se défendre. Tu frappes les gens, toi? Non, on se défend. Tu frappes les gens. On se défend. Tu lui apprends la bagarre? Non, on se défend. Tu veux que j'aille voir nos parents? Juste tu l'apprends à se battre? Tu veux qu'il fasse quoi, délinquant? Dans la prison? Moi, tu sais, j'ai fait quoi? J'ai juste essayé de faire des 90. Je suis un joueur Fortnite. Je peux plus. Non. Je vais exploser. Je vais exploser. Un petit goûter. Oh là là, j'ai faim. La bagarre, ça donne faim. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est plus cardio que la danse, je trouve. T'es encore là, toi? Ouais, je fais un goûter. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends mon goûter. Attends, je... On est d'accord. Arrête de te frapper, ça me donne des mauvais souvenirs. Tu prends un goûter alors que tu t'es fait frapper par une fille? Bah oui. T'as pas la honte? Non, rien, c'est pas grave. Bah on frappe pas les femmes. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour te faire ça? Comment elle a fait? Je suis dans mon lit, je comprends pas. Je sais pas, elle a fait un truc bizarre. En mode, elle est venue, elle a fait ça, elle a fait esquive. Attends, mais une fille normalement, c'est. Et toi, quand t'as fait ça, t'as fait quoi? T'as fait comme ça? T'es amoureux? T'es amoureux? Non, je suis tombé. T'es tombé? Bah oui. Oh mon dieu. Vas-y, taille, y'a pas de goûter. Va là-bas, y'a pas de goûter. On va aller l'appeler là. Viens là. Tu vas me faire son numéro, on va l'appeler. Arrête de boire. Vas-y, va ramener mon portable, on va l'appeler. Tu vas me nettoyer seul. Arrête de pleurer là. C'est pas grave. Tiens, c'est ça son numéro. Dame, tu vas me faire son numéro, je vais l'appeler, c'est pas normal. Il va avoir des représailles, elle va appeler ses frères. Toi, tu lui as fait quoi en fait à la fille? Parce que toi, tu lui as fait quoi à elle? J'ai fait un meilleur saut de l'ange qu'elle. Tu l'as pas tapé? Non. Omar, tu pas les femmes. Vas-y, assieds-toi, on va l'appeler. Va t'asseoir. Là, on va l'appeler, là. Oui, on va l'appeler, c'est vous bon. Allez me raconter exactement ce qui s'est passé. Oui, elle va te dire, de toute façon. Moi, j'ai rien fait. J'espère que t'as rien fait, hein. Bien sûr, j'ai après, rien ça retombe sur nous, la code familiale. Ah, voilà, c'est ça. Bonjour, en fait, il y a eu un accident avec mon petit frère Omar. Et, je suis son grand frère, c'est pour arranger les choses. Pourquoi vous l'avez frappé? Je suis désolé, Bintou. Et c'est normal que vous frappez les gens comme ça? Vous avez vu ce que vous l'avez fait à l'œil noir, là? Je suis désolé, Bintou. Et vous voulez pas lui présenter des excuses? Non, parce que là, son œil, c'est incroyable, son œil. On peut se voir dans la vraie vie, là, parce que vous commencez à m'énerver à parler comme ça. C'est n'importe quoi, ça. Vous tapez un garçon comme ça. Et ça s'est passé au lycée? Ça s'est passé où? Tapitou, j'arrive tout de suite. Tapitou, j'arrive tout de suite. Ramène ton grand-père, ta grand-mère, Tapitou. Je suis désolé, Bintou, c'est pas ce qu'il dit, je suis désolé. Votre grand frère, il a fait quoi, madame? 15 ans de boxe, il a quel âge? Encore une fois, je te pète. Ok, madame, bah c'est Omar, c'est lui, il veut. Et tiens. Hein? C'est Omar. C'est pas vrai, non. Passe-moi. On est désolé, Bintou. Passe-moi! Allo, Bintou, Binta, ou je sais pas comment tu t'appelles. Dis-moi juste, Tapitou, on va venir et on va pas te faire mal, on va pas te frapper, on va juste régler le problème, Tapitou. Tu vas voir ce que je vais te faire, j'arrive. Eh bah, tu sais, je vais venir à l'école à 4h30 à la sortie de l'école. Tu quittes à quelle heure demain? Bintou, je suis désolé. Tu finis à quelle heure? Laisse, je vais prendre les choses en main. Ouais, c'est qui là? Oh, c'est un dame au téléphone, là, c'est le grand frère Bintou. T'es un malade ou quoi? Je suis pas un malade, c'est votre petite soeur. Votre petite soeur, elle a frappé mon cou. Franchement, je vous dis la vérité. Tu la rappelles, je te fume, c'est bon ou pas? Non, franchement, on est désolé, on va arrêter de rappeler. On est désolé. Ouais, rappelle plus. D'accord, pas de soucis. Au revoir, monsieur. Y'a pas d'envoi. Ouais, c'est ça, ouais! Si je te rattrape, toi et ta soeur, tu vas voir ce que je vais vous faire! Hein? C'est la dernière fois que je veux que ta soeur elle frappe mon cousin comme ça, ok? Ouais, tiens, c'est bon. Ça y est, j'ai arrangé les choses, ça y est. Oh là là. Ça y est, son grand frère, c'était pas un facile, hein, mais il sait à qui il a affaire maintenant. Il va plus t'embêter, Bintou. Comment ça, c'est pas un facile? C'est pas un facile, mais ils vont plus t'embêter. Lui et sa famille, c'est bon, c'est réglé. Cette histoire, on en parle plus. Il y aura plus de problème pour moi. Non, il y aura plus de problème, ça y est, tu peux aller à l'école tranquille. Bintou, va venir me voir. Non, elle va pas venir te voir, t'inquiète pas. D'accord? Pas de problème. Et surtout, si elle t'embête encore, tu vas voir Younes. Quoi, Younes? Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, tu fais quoi? Foutre en l'air. Mais comment tu vas te foutre en l'air? C'est quoi ça? C'est pour faire des gâteaux, ça à ma mère, c'est du mazhar. Même pour boire mon mazhar, je peux pas. Tu vas boire quoi? Vas-y, n'importe quoi. Vas-y, arrête. Ok, mais attends. Tu fais n'importe quoi. J'ai pas enlevé la trace. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du mazhar. C'est quand t'as mal à la tête. Toi, t'es vraiment pillé, lui. Aidez-moi, je peux plus de ce mec, c'est trop. Toi, va le bouffer ton mazara. Et Omar là, il a des problèmes. Moi je vais aller au foot. Mais il a quoi? Il s'est battu. Contre qui? Je sais pas, à l'école. Il s'est battu à l'école. Toi, il y a pas de bagarre dans ton lycée. Non. Contre qui? Une fille, elle l'a frappé. Elle s'appelle comment? Je sais pas, moi. Je sais pas comment elle s'appelle. Bintou, je sais pas. Binta? Bintou? Oui, Bintou.
Celle qui fait 2 mètres là? Comment ça fait 2 mètres? Elle fait 2 mètres. Hein? Et son frère Adama là, le fou? C'est eux qui sont frappés au mort. Allez, allez, et ils sont fous alors dans leur famille, faut pas les chercher. Mais ils habitent où? Ils vont emménager à côté de chez nous là. Hein? Ouais. Mais Omar, ils savent pas que c'est notre cousin ou notre frère. Bah, vous lui avez parlé, ils vont votre localisation. Putain! En plus, ils sont recherchés, t'as pas vu hier aux infos? Par qui? Bah, par la police. Ah, j'ai pas envie d'aller au foot. Comment on va faire alors? Je sais pas, moi, vous débrouillez. Eh, va la voir, va t'excuser. Vas-y, toi, t'as le temps. Va la voir, va, tu dis Omar, il est bête. Va t'excuser à notre place. Non, vas-y, non, moi, je vais pas. A fait c'est vrai, mètres. Son frère, il a fait de la prison. Il a fait de la prison, il a fait un an de prison. Pourquoi? Il a fait quoi? T'es pas tué contre 50 personnes, il les a tous tués. A few moments later. Je t'ai fait frapper par Bintou. Laisse tomber. Oh là, la misère. Mais toi, vraiment, tu travailles pour une personne qui mange du Kinder Joy. Non, mais laisse tomber, elle était à son 54e grec. Elle en pouvait plus, elle avait la bouche remplie de mayonnaise. Hein. J'ai cru que c'était un cauchemar. Bah, fallait courir, fallait te réveiller. Mais tu peux pas courir. Cours, on dirait que je suis dans un rêve. Fallait lancer des kebabs. Hein, mais j'ai essayé, j'ai lancé un kebab en panini, elle l'a gobé en 2 secondes 5, elle était déjà derrière moi. C'est pas possible, j'en ai marre, moi. Quoi, viens, ça s'énerve contre moi, c'est pas de ma faute. Si elle fait un saut de l'ange, elle arrive pas à décoller du sol, sérieusement. Fallait lui dire que je t'offre une usine de kebab. Elle serait grave contente. Mais elle m'a pas cru, n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Elle va rentrer en prison là bientôt. Ouais, je sais, Elle a tué le mec du grec là à côté. Parce qu'il voulait pas lui passer 4 kebabs. Il voulait pas lui passer 4 kebabs et surtout il a oublié la sauce ketchup. Elle l'a tué. Oh là 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 là. Mais ça, toi, à cause de toi maintenant? Comment on va faire? Arrête, comment on va faire? Comment on va faire maintenant? Il nous recherche. Il nous recherche par ta faute. C'est Yassine qui s'énerve avec toi. Quand t'as un problème, viens pas chez moi. Et c'est qui a voulu s'en mêler? Comment ça, arrête? J'arrête pas. On fait comment? Il a fait de la prison. Regarde-moi, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Vas-y, va arranger les choses, va arranger les choses. J'ai rien fait, moi. Et comment ça, on fait comment? Son frère, il est fou, il m'a dit. Même Mira m'a dit, elle non, mais je l'ai eu au téléphone, c'est réglé, ça y est, t'inquiète pas. C'est pas réglé, c'est si, pas réglé. Il m'a dit, c'est bon, il m'a ça dit. Ça me cherche partout. Non. Moi, j'ai rien à voir de base, j'étais en train de jouer à FIFA. C'est lui, hein, c'est non, c'est pas moi, c'est lui. Il est recherché par Interpol. De toute façon, on est deux, si bien, on m'arrave, on est deux. Non, moi, je m'arrave pas, moi, j'ai pas oh, celle là. Viens, Adama, il est venu, il va tuer Younes et Yacine, je sais pas comment on va faire, allez. Viens, tu vas voir, viens Adama. Oh le fou, c'est tout là. C'est Younes, c'est Omar. Attends, on était deux, vas-y viens. Mais je suis plus la prison pour rien. Ah mais c'est ta soeur, elle l'a frappé. Mais je suis plus la prison pour rien. Ta soeur, elle l'a frappé. Avec mon pétard, vous allez voir. Un pétard, c'est un pistolet pétard. Ah mais c'est un pistolet, il a un pistolet Omar. Il a un pistolet, pétard. C'est moi, Yakuma. It's a prank. La ilaha illallah. Vous avez peur comme ça? Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Moi, j'ai pas eu peur. Regarde ce que tu fais. Oh là là. Moi, j'ai pas eu peur, les gars. Toi, t'as pas eu peur, toi? Au téléphone, quand tu t'excusais là. Oh, excuse-moi, non, t'inquiète, excuse-moi. Non, on va rien faire. C'est faux là. Bah, bien sûr, c'était faux. Pourquoi vous. Et Myriam. Oh, Myriam. Attends, mais ça sert à rien d'apaiser les tensions. Et son coca, c'est Myriam qui lui a fait. Ça sert à rien d'apaiser les tensions, alors tu dis que c'est un prank, c'est faux. C'est moi, Adama. Et c'est Myriam, elle me l'a fait avec du maquillage. Tu vois, Philippe, t'es que du maquillage. C'est du maquillage. Hey, c'est Myriam qui lui a mais fait. Mais moi, je rigolais. Oh, je savais que c'était un prank. Tu vois, là, je rigolais. Ouais. Je rigole, voilà. Faites plus ça, les gars. Adama, vous avez fait. Toi, pourquoi tu fais genre, tu savais? Non, je savais pas. Non, il savait pas, par contre. Il a vraiment eu peur au téléphone. Non, j'ai pas eu peur. T'as eu peur au téléphone. Il faisait quoi au téléphone? Oh, non, excuse-moi. Non, mais j'essaie d'arranger les choses. On n'est pas des violents. Ah ouais. Et pourquoi au début quand tu parlais avec la petite Mélène, tu étais là? Non, je vais te venir. C'était elle qui parlait. Ah Yacine, il a eu trop fort au téléphone. Ça va Bintou? C'est elle Bintou. On a été trop fort Bintou, check. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bombardez la barre des likes et... Ciao. C'est moi le boss des pranks normalement. C'est moi, c'est...